Dis moins en plus. Ok, en fait, j'étais en train de regarder les crédits depuis tout à l'heure. Alors, nouvelle partie. Alors, option, comment on peut faire ça? Langage. Donc, langage, j'ai mis en français. Enfin, je crois. Français. Ouais, ça. Audio. Menu. Donc là, si j'ai option, il n'y a pas de... Il faut que j'aille chercher la manette. Bon, je vais lancer la game, les amis, on va voir ce que ça donne. Nouvelle partie. C'est un mode stream juste dans audio, non? Bah, je sais pas. Non. J'arrive comme ça, vous regardez les cinématiques, je regarde long. Yo Cédra, on laisse avec la cinématique. Qui s'éveille dans l'ombre. Est-ce toi, reconnais-tu ma voix? Les limbes. Ok, alors attendez. Il s'éveille dans l'ombre. Yak. Est-ce toi, reconnais-tu ma voix? Ou alors non? Non, en effet, mes excuses étrangers, je t'ai pris pour un autre. As-tu un nom? C'est quoi le titre de jeu? Il est en titre sur Twitch si tu F5. Les pensées sont opaques, j'entends à peine. Structure ta pensée. Alors je saurais comprendre. Ok. Left CTRL. Masque de voyageur. Personnage. Ok, ça m'a l'air assez... Voyageur muet touche dans l'âme, ferme les yeux à nouveau, son esprit aspiré au-dehors de son corps s'évade comme l'onde sur la surface d'un lac fondu au noir. Le masque aux grands yeux ronds vous regarde. Échangeable. Morceau de roche translucide récolté sur le cadavre d'un voyageur sombre. Des murmures semblent s'en échapper. Je check les options audio. Et s'il veut bien.
Bah du coup... Ah du coup ça sert plus à rien de jouer au jeu, j'ai envie de dire. Bah en vrai, what the fuck? En fait, tout est DMC? Et TDR. Aucune donnée disponible sans accord d'administrateur, cette épée étrange est faite d'andronite. La plus dure qui soit en possède et n'a pas douté de sa propre conscience. Continuez. Bah en gros, ça a juste tué le jeu, là, on est d'accord? Donc ça c'est quoi? Ça serait de la monnaie. On a récupéré fragments de vie. Okay. Alors appuyez sur le pour le cibler l'ennemi. Ok ok. Donc vous aurez compris un petit peu hein, dans quel genre. Dans quel genre on est? Par contre... Ah, pas plus sur la place. Ok. Tranquille. Ouais, le jeu paraît méga vide. Ouais, je peux pas faire grand chose de plus en vrai, désolé. Bah du coup soit je mets une playlist de terrible hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on fait? Un des musiques DMC, c'est dommage on va dire. Bah ouais hein. Parce que là, en fait, ouais, à part le son, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je mets près de Zelle? Mais bon, ça n'a aucun sens. Fragment de vie. Je dois vous avouer que je suis un peu dégoûté. Ça a commencé à me hype de fou, et là, là, y a plus de son, en fait. Si jamais je fais. Bah non, du coup. Comment je vais passer? Ok, ça va être par là. Ah non. Laisse comme ça, Jus. Ouais, je laisse comme ça. Ouais, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix et puis comme sur moi ça vous permettra de d'y donner vous chez vous un shot sans live et de découvrir les musiques du jeu parce que ça avait l'air quand même d'être assez sublime du coup. Malheureusement on peut pas les utiliser et si j'aurais su bah voilà. Hop. Vous avez vu, on a un petit squelette sur... La personne avec qui on parlait. Le personnage est assez beau, moi, je trouve. J'aime bien... Parce que vous en avez parlé, j'aimais bien un petit peu le DA. Donc les fragments de... Comment je pourrais monter ici, en fait? C'est là, c'est terrible. J'essaie de trouver... explications. Ok. Bah là. Non. Ok. On a une vie, on peut. Ah.
Ouais. Je suis dans mes pensées là. Essence délicate. Ok. Ouais, je pense que c'est par là. Ouvrez quick access, sélectionnez en cas de con. De quoi? Donne des corpus, association impossible. Dense moléculaire, existence potentielle pourrait sembler un morceau d'adronite à la densité de la texture modifiée comme une issue d'un long travail de recherche sur la faculté régénérative de la matière. Utilisé par les astirs pour restaurer leur vitalité en absence de sommeil ou de soins adaptés. Je peux pas sauter là? Je sais pas. J'ai 15 ans pour monter là-dessus là. Ah yes. Ça a pas l'air de marcher le double jump. Y'a pas un double saut? Non, non, enfin je crois pas. Ils ont perdu. Alors regardez, mais je crois pas hein. Ça m'a pas dit double jump alors que c'est... Ouais. Ah bah, bah super. Je suis saoulé. Ça m'a jamais dit qu'il y avait un double jump. Ça me fait la leçon depuis tout à l'heure, mais ça me dit jamais que ça fait double jump. Ok, c'est pas grave, tant pis. C'est parti. Non mais me dis pas que je suis aveugle. Un peu décalé ou c'est moi? Ok. Attaque chargée. Gardez la touche d'attaque enfoncée pour lancer une attaque chargée. Okay. Bon, je comprends pas pourquoi il y a un son de... décalé. Ok. J'aime pas ça. Ascenseur. On va attendre. Ben en tout cas, dommage. Hein. Décevant qui, bah du coup, décevant d'être streamer. Et ne pas avoir des musiques de ce jeu. Ça m'embête un petit peu. Alors qu'est-ce qui se passe? Oula. Je n'ai pas accès à ma souris là. Ça, c'est plutôt un jeu manette, DRK ou pas? J'imagine que oui. J'ai commencé là. Et ça, j'imagine, c'est genre de la lave. Ok, portail. Et moi, où le son des effets est un peu fort. Je sais pas. Vous entendez autre chose à part ma voix là? Parce que moi, j'entends rien. Enfin, si, j'entends le jump, pardon. C'est les deux, Juice. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Owen. Petit passage. On retourne sur Outrider. Des bisous. Des bisous. Bonne session à toi aussi. Oui. Mais dans le feu. Ça fait tellement mal, je crois.
Ok, appuie sur Q. Juste avant impact. Ah ok, la parade. Comment ça marche? Parlez. Le voyageur vous salue doucement. Vous êtes fasciné par les étincelles sombres qui jaillissent de ses doigts. Ok. C'est énorme. Continuez. Décharge d'éther. Je compulse tous les ouvrages occultes que recèlent les marchés souterrains de la ville. Je me replonge dans mes anciennes lectures, on découvre de nouvelles nouvelles. Brave tous les interdits, mon esprit vacille, mais mon âme jamais ne flanche. L'encre se propage sous ma peau, mes murs se parent des sigils et d'arabesques hallucinées au miracle inconcevable. J'ai dévoré les savoirs, le tangible et l'astral se confondent, je danse entre les mondes. Carnet de Ria, 1443, carte graphique. C'est l'issue du futur intérieur, sortilège offert par les voyageuses muettes des limbes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? S'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce que c'est? Alors. Comment je me soigne? Une attaque ou renvoyer un tir, riposter en appuyant sur. Ok. D'accord. C'est un mousqueton. Mousqué, pardon. Est-ce qu'il y a un monde où je vais pouvoir me soigner là ou pas du tout? Ouais, j'ai un petit pote sur mon épaule, ouais. Merci Cells! Merci Cells pour le resub! Elle est à Nantes sur la 12 TV! En plus de ça, merci beaucoup! Ah, c'est un. Let's go! Alors, du coup, est-ce que je vais devoir me retaper le portail et tout? J'ai exécuté une attaque, ça j'ai vu. Je pense que tu peux activer les puits des limbes pour sauvegarder. Super, j'aime bien la riposte, c'est cool. Hop. Hop. Comment j'ai fait tout à l'heure? C'était par là. Ah pardon. Hop, hop. Ouais, c'était plutôt comme ça. Est-ce que je dois... Est-ce que vous pensez que la porte est ouverte là? On peut voir. Ouais, après, ouais. Le personnage, de toute façon, quand on avait vu le trailer, ça avait l'air méga intéressant. Comme jeu. Ah, peut-être ça. Ah, c'est ça. Il est là. Voilà. Memento. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Let's go! Est-ce
Est-ce que du coup, faudrait voir si ça a gardé entre guillemets le... Mais bon, je sais pas. Faut faire le test. Au moins ça sera vu. Ah non, c'est bon. Ok, ça marche. Pas besoin d'y retourner dessus. Très bien. Le monsieur qu'on a eu tout à l'heure, il était assez grand. Hop. Non ! Mes petits pieds ! Au feu ! Et là, il y en a un autre. Ok. Donc je pense qu'une fois qu'il est activé, est-ce que je dois... Je pense pas que je dois appuyer dessus. Enfin, quoique c'est peut-être pour le... Ah, du coup on récupère nos HP, donc ouais, ok. C'est un repos quoi. Ouais, c'est comme le feu, ouais. J'essaie de comprendre la parole. Ok, bon, tant mieux. Moi, on sait que ça marche. Donc là, j'ai perdu des trucs. Enfin, probablement que je les ramasse. Non, j'ai clairement tout perdu. Pas de... Bon, j'ai passé des trucs, mais j'ai pas su parer. Ça c'est pas faux par contre. Mon épée est poussée sur la descente et du coup... est-ce qu'il y a un truc pour ce... Ok. Catalyseur. Je sais pas si t'es un boss en vrai hein. Des travaux du brillant Camos émergent un dispositif révolutionnaire capable de capturer les émanations mnésiques s'échappant à l'instant de la mort. Grâce à lui, la production de nos mémorèmes ne sera plus jamais la même. Il semble qu'en l'enchassant dans un système à plus grande échelle, nous serons bientôt en mesure de reconstituer jusqu'à la conscience de nos défunts. Brillant condensé de technologies anciennes restituant une forme de vitalité physique à son utilisateur. C'est où qu'on se soigne? Il doit y avoir des popos quelque part et je sais pas. Équipé de catéter grâce au. Ah, attendez. Catalyseur. Ça doit être ça du coup, non? Recharge chaque mort, retour, puis au limbe. C'est une potion. Ok. En tombant,
Utiliser le saut ou le dash annule les dégâts de chute. Ah. Ok. Ah voilà, on s'en sort. En vrai, j'aime beaucoup le... C'est la DA, on est d'accord, hein, ça se dit comme ça. J'aime beaucoup le style. C'est de la bombe. Par contre, là... Comment... Carte inventaire, personnage, vitalité. Il doit bien y avoir un moment où on peut monter notre... Là, on a quand même pas mal de points. J'aimerais bien savoir ce qui... Ah. C'est que je regarde comment ça marche. Parce que là, le but, c'est aussi pouvoir, bien entendu, rapporter... J'avais plus de stamina. Faut faire attention là. Oh, un backstab, ok. Ok, il y a du backstab. Si vous voyez des choses qui pourraient nous servir, n'hésitez pas surtout. Hein. Hop. Parce que là en vrai je sais pas où utiliser mes trucs. Pas mal hein. La riposte est quand même insane hein. Ah, Luggy. Seulement voir. Faut que je fasse attention. Ouais, la riposte est grave satisfaisante. De fou, mais ça a l'air un peu... Faut que je prenne le truc. Mais c'est vrai que la vie, là... J'ai trop... Peut-être là... Des verriers fragments, des bonnes requis. Ok, il doit y avoir des trucs à faire là-bas. Salut le gros. Dans tout ça, c'est que je fais un gauche-droite et je fais tomber moi-même. Quoi. Ok. Allez, va falloir trouver comment utiliser nos fragments, du coup. Par contre, ça, je trouve ça vraiment chiant. Est-ce que je veux dire ou pas? Genre, en gros, si tu tapes un mob. Oh oh. Pas comme ça, Joe. Ah mais vraiment ? Ah ouais, mais les DRK, gros, y'a plus rien. Gros, y'a plus rien. Et d'un murmure, il nous crie à nous. Astir, tel fut notre nom. Alors on s'est mis en mode streamer, les amis, pour les musiques et DMCA. Y'a plus rien.
Roi arpenta longtemps ce nouvel espace et vit ses enfants apeurés dans la pénombre des premiers jours. Ils ont même pas mis de voix. Il s'arracha les yeux et les projeta dans le vide par-delà le cercle du monde enfin qu'ils éclairent nos vies. D'un geste, il initia la lente rotation des astres pour se consacrer à d'autres œuvres. Merci Draner, merci beaucoup pour le resub et le 1 an. Les 1 an sur la Juice TV, merci beaucoup, c'est très gentil. Bah fait le jeu, je ne savais pas que la musique était de DMC. Non mais là c'est même plus la musique, gros, c'est le vocal, enfin genre les paroles quoi. En gros on dirait que leur stream off c'est vraiment genre ils mettent le jeu off quoi. Et Durgan, Narué, Citra et Radamante, les 4 seigneurs cardinaux qui portent la fondation du monde. En vrai ça a l'air méga intéressant, ça a l'air super sympa et tout, et du coup c'est full mute. La garde royale d'Hypnos, les illustres Mantra, Murti et Yantra. Ça a l'air, en plus, il y a l'air, la lore a l'air d'être insane. Entouré des innombrables merveilles de sa création, notre civilisation devait perdurer des millénaires et conquérir des distances étoiles. Non, il n'y a aucune voix. Bah, il y avait une voix, je crois. Suivant le crépuscule. Il n'y avait pas quelqu'un qui parlait au début ? Le royaume fut peu à peu plongé dans la pénombre, alors qu'une atmosphère grisâtre et mélancolique s'installait. Le roi n'était plus. Ah bah tant pis alors. La panique et la peur surpassèrent l'incompréhension, car nulle trace du roi ne put être trouvée. Son départ annonça la fin. Dieu ténébreux, démon oublié. Ça met mal à l'aise de jouer à quelque chose où il n'y a pas de son. Aux incarnations vivantes de notre orgueil, ils s'abattirent sur l'univers lors d'une interminable éclipse. Heureusement qu'il y a le doum 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 de l'épée, quoi. Les montagnes s'effondraient, les lacs, les rivières et les mers s'asséchaient ou disparaissaient, ensevelis sous des torrents de feu. Et je ne sais pas ce qu'il y avait écrit par la suite. Les Astyres tentèrent de se dresser pour défendre leur terre et leur vie. En vain. Va. Donc du coup, est-ce que ça voudrait dire que je vais devoir me battre contre ça? Non, ça va. Je vais pouvoir... Ok, nickel. Il a une clé énorme. Ok, le puits, ça c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Il y a des choses à faire ici, ça doit être peut-être un spot en mode bon vas-y, apprends à jouer. Là, qu'est-ce que c'est? Personnage peut-être. Ah voilà. Attends, pourquoi ça fait statistique 2, 3, 4? J'étais à combien? 80. 4, je gagne 10 points. Ok. J'ai presque envie de monter la force d'abord, voir un peu ce qui se donne. Sinon je fais 2 et 2. Vas-y, je fais ça. Je fais 2 et 2. Ok. Donc là je suis niveau 5. C'est ça. Ah oui, voyons voir. Si je fais inventaire. Et que du coup, est-ce que ça c'est des trucs que vous savez un peu comme... Pas comme ça. Alors attends, est-ce que je peux y accéder par là? Voilà. Utiliser. Ouais, voilà, c'est ok, c'est ça. C'est exactement ça. Ça nous donne des. C'est bien ça! Bon, ça a pas l'air de marcher par contre. Utiliser. Là, ça nous donne des fragments. Étrange morceau de roche translucide. Et c'est quoi? Condensé moléculaire. Morceau d'andronite densité. Bon, moi je dois y aller. Bisous, Ticoli. Bisous, bisous. Bon, je vais juste faire ça. Ah,
Ah, c'est une potion. Ça m'a donné du soin, on est d'accord? Je crois que ça m'a donné du soin. Par contre, comment... Comment changer des accès rapides, en fait? Comment changer les accès rapides? Bon, allez, cher d'acheter. Choronzon, coronzon, scroll, chiffre, ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire. Le Prométhéen leva la tête vers son disciple. Ce dernier s'était emparé de ses enseignements avec avidité. Dans sa main tremblante étincelait la première clé qui ouvrait toutes les portes. Marque au tracé complexe évoquant les sinuosités de l'espace-temps. Aucune technologie analogue connue. Permet de revenir au cœur des limbes sans sacrifier des sens. Ok. Petit item. Alors, les chiffres. Ouais, c'est ça, c'est les chiffres. Okay. C'est le 2. D'accord. Donc ça, c'est bon. Voyons voir ce qui se passe par la suite. Parlez. Les démiurges sont au nombre de 12. Ok. Les cendres, les carcasses figées dans le temps et le silence témoignent de leur puissance et de leur cruauté. Ils étaient des centaines ou des milliers issus du vide ou d'un univers lointain. Leur affrontement déchira la terre et brisa la réalité. Mais notre massacre ne suffit pas. Ils s'entre-dévorèrent dans un océan de sang et de noirceur. Ce qui reste se partage les ruines, façonnant la nature à leur image et joue de nos cadavres comme de pantins. Destinés à tromper leur éternel ennui. Ils sont les dieux destructeurs et souverains d'Hypnos, et sans le roi, ils régneront en maître sur son reflet corrompu et silencieux. À jamais. Ça a l'air fun. Ça a l'air archi fun. Ouais, c'est un DS-like, mais du coup, il faut jouer avec de la musique, quoi. Alors, bonjour, petite chose. Êtes-vous perdu? What the fuck? Bah non. Je demande rien de plus. Aurélia, vos petits points. Oh, cette voyageuse est arrivée peu de temps avant nous. Elle semble posséder un grand savoir, mais elle ne parle pas. Elle non plus. Sa présence m'apaise. Le creuset n'est pas fonctionnel, mais il semble possible d'y insérer un objet. Ok, donc pour le moment, je m'imagine que je n'ai pas d'objet. À part si je sais pas lire. Ah non, ça c'est autre chose. Non, je pense pas. Bah du coup non, ça doit être un item que j'ai besoin. Donc là, il y a un TP qui pourrait m'envoyer dans une zone. C'est pas la clé, ok. Ouais, en fait, les OST du jeu sont DMCA, du coup on peut pas y jouer avec le son, malheureusement. Je suis un peu deg. Je ne savais pas. Du coup, c'est vraiment dommage. Il est né vain depuis les méandres du temps, porteur d'un grand secret à sa suite, ne venait nulle cohorte, nul peuple aveugle. Ouais, bah laissez-nous le temps de lire au moins, bordel. Où est-ce qu'on est ? Ouais, c'est moche, ouais. Pas grave, tant pis. Ce serait une découverte one shot. Est-ce que je peux... Utu ! C'est jamais hein. Ok, bah c'est parti. Voyons voir ce qui se cache ici. Un petit peu plus de fond. Petite unité sentiente et confectionnée dans les laboratoires de Nifur, elle se lie aux rares êtres vivants restants et éclaire leur chemin même dans les ténèbres les plus opaques. Hein, c'est pas mal, c'est bien.
trouve le jeu vraiment beau en vrai. Trop dommage ces petits trucs là. Nul ne sait d'où viennent les démiurges. Les mémorèmes de pensées poussiéreuses ne nous apprendraient rien à ce sujet. Tout n'a pas vocation à être expliqué et regarder un événement aussi absurde et cruel indéfiniment ne lui donnera pas plus de sens. Une seule chose importe, où les trouver et comment les détruire. Nous arrachons le savoir de leur carcasse maudite et retrouvons la porte qui mène au roi. Enfin, on peut toujours essayer, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez, chat? En vrai, c'est vraiment dommage pour les musiques et tout, mais je trouve que le jeu est beau. Le gameplay a l'air intéressant. Le lore a l'air insane. Mais du coup, je le trouve un peu, vide. Parce que j'ai pas le droit de mettre de la musique, quoi. Malheureusement. Cristal, essence délicate. Parler. Tiens, un nouveau masque. N'aie crainte et tranché, je ne suis pas ton ennemi. Je me nomme Valnir. Pas très causant. Hein. Peu importe, toujours agréable de rencontrer des vivants. Rien des larmes, je peux le sentir sur toi. Un espace anormal dans tout point qui ne devrait pas exister. Ce n'est pas la seule chose étrange par ici. Tout ça doit être déconcertant et dangereux. Rapporte-moi suffisamment d'essence et je t'enseignerai de quoi te défendre. Bonne chance dans ta quête, quelle qu'elle soit. Il veut combien d'essence? Ah, ouais, tu trouves des cristaux de couleur d'amésite sur ta route. Ces fragments ouvrent l'accès à de grandes connaissances dont certains m'importent. Bon, c'est... Prendre. Ok, acheter. L'un des artefacts créés par les légendaires Médark Valnir provoque une suractivité temporaire d'adrénaline contenue dans les armes sentites et en augmente considérablement les dégâts. Dans ce bruit d'un cristal translucide dans émaner une légère quantité d'énergie éthérique. Ok, un shop du coup. Générateur de poche à énergie potentielle pourrait servir à démarrer un creuset à stir. Ou tout autre appareil massif nécessite une grande quantité d'énergie. Ah, peut-être le truc qu'on aurait vu tout à l'heure, du coup. Mais oui. Ouais, ça a l'air sympa pour le moment. Ah, ça y est, on est encore en phase. On voit pourquoi ils ont fait ça. Pour avoir un petit côté plateforme. Puis des limbes. La porte va s'ouvrir de ce côté. Zeus ! Ouais. Merci beaucoup. Alitz, comment tu vas? Merci pour le receveur le 21e mois sur Adjust TV. Merci beaucoup. Et merci encore Draner hein, pour l'année sur Adjust TV. Ça fait plaisir. Sahel aussi, vous avez fêté votre anniversaire en même temps. Quel plaisir. Merci beaucoup. Et bonjour Doc Wave. C'est quoi ce jeu? J'ai entendu parler. Bah, c'est censé être... Enfin, c'était une découverte de notre côté. Le nom du jeu, si je me... C'est Shattered. Of Skin, quelque chose du style. Le titre, tu l'as sur Twitch si jamais. Je me souviens plus exactement. Le nom est grand. Et franchement, ça a l'air méga intéressant. Le problème, c'est que en fait, tout est DMCA au niveau de leur musique. Donc le jeu là est très silencieux pour moi. Mais au début, il ne l'était pas du tout. Du coup, fromage. Je crois qu'on y a un truc là. Est-ce que je peux. Non. Je n'y arriverai pas. C'est trop haut. Ah, par contre, là, peut-être, si je. Ok. Fragment des bons. Oh. Truc que l'autre demandait tout à l'heure. Hop.
Et boum. Et boum. C'est un jeu par un studio lyonnais. Voilà. Vive la France. Et bon. Comment je prends le... Ouais. Ça commence à être un peu chaud là. Ouais. Orbe brillante contenant une réserve d'énergie inconnue manufacturée par le Prométhéen Camos. Utilisé par un spécialiste, il serait probablement en mesure d'étendre le nombre d'utilisations d'un catalyseur. Ah. J'ai en train de me faire taper dessus. Là. Ah, ça fait archi peur. Ok. Aujourd'hui, on m'accorde une entrevue avec l'un des cinq en personne. Genre, les travaux auraient attiré son attention, mais que peut-il attendre d'un simple architecte? Arlu l'industrieux, architecte. D'accord. Quelle coïncidence, je suis tombé sur ce jeu au pif sur Instinct Gaming et je vois tout ce qui y joue. Hihi. Et ça, genre, ça a l'air d'être un petit boss, quoi. Ah, si je fais ça. Non, attendez. Comment j'ai pris le. Ok, F. Beryl. Elle avait l'air costaud. Ouais. Elle dit à l'air. Ok. C'est donc un TP. Alors attends. Ah mais du coup j'ai même pas besoin de. Ouais, j'avais même pas besoin de cette option. Est-ce qu'il y a une moyen, peut-être ça fait. C'est pour un raccourci. Donc j'imagine que là on peut briser les chaînes, ouvrir le raccourci. Ouais, ok. Du coup est-ce que là en faisant ça on peut. Non. Ok, nice. Donc là du coup. Si on fait ça. Ah, il est pas activé, c'est ça? Il bouge mais pas activé. Donc là, il va falloir qu'on passe probablement par ici. J'imagine. Masque d'artilleur. Alors attendez, parce que là il y a des trucs en fait. Inventaire. Personnage. Ok. Arme. Ok. Option. Y a pas de. Masque métallique au contour renforcé. Il semble avoir subi plus de chocs que vécu. Objet échangeable. Ok, c'est des objets échangeables. On va peut-être pour le moment changer le stuff. Est-ce qu'on peut casser les box? Il y a des box qui se cassent. Non. J'essaie de voir un petit peu ce qu'on peut faire sur le jeu. Grosse fanier. Ah. C'est verrouillé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Crotz. Ok. Du coup, il y a deux chemins. Je vais passer par là d'abord.
Hadronite. Bon, heureusement que c'est plus trop silencieux en vrai. Parce que c'était malaisant. Ok, donc ça c'est bon. Et puis là on va réanimer. Là qu'est-ce que je peux faire? Ah, je peux casser la chaîne ici. C'est vraiment dur. Alors, ils ont perdu, mais on peut les récupérer. Si on se fait pas tuer avant. Enfin, j'imagine. Je crois que je vais récupérer des trucs comme ça. Donc, voyons voir. Vraiment, là, ils sont en haut. Je dis pas de bêtises. Oh, je vais tuer peut-être un premier. Ah, voilà. Essence retrieved. Ah, oui, donc il faut taper le mob qui nous a tué. Il m'a explosé, voilà. Rien à dire de plus. Ah ok, donc ça c'est un autre raccourci. D'accord. Bon, on va voir ça. Ça les régène. Bon, disons qu'il a fait un peu mal le mob. En parlant de Death-like, j'ai fini Death 1 et Death 3, j'accroche pas aux deux. Je me pose la question. Si Sekiro valait le coup, t'en penses quoi? Ah oui, oui, je vois Sekiro. Hein. Ah oui, oui, si tu n'as pas fait Sekiro, go. Fonce, fonce, fonce. Juste fonce, en fait. Clairement, Sekiro, c'est le jeu à faire, hein, si tu l'as pas fait. Je me fais brain à chaque fois, c'est terrible. Mais... je n'arrive pas à savoir. Faut que je fasse quand même attention parce que là ça avait l'air de coûter un peu cher. Ok, Igide. Si vous pensez que votre arme et votre outil principal vous fourvoyez, si votre lance derrière vous, sans regret, n'oubliez jamais votre agile. Agile de passion, générateur de champ de force individuelle, ce modèle utilise l'énergie bioélectrique du porteur pour se régénérer, mais ne remplace pas un bouclier classique sur la durée. Ok. Vous ne possédez pas de clé. Déverrouillé. Alors attendez. Et là par exemple si je vais aller dans armes, est-ce que... non, inventaire peut-être, et vide, luciole. Et bah je sais pas. KL non. Y'a pas de JKL non. Arme. De toute façon là y'a pas le. Y'a pas le bouclier. Bon, je sais pas. Y'a pas le bouclier donc. J'sais. Pour les musiques d'MC sur ce jeu, tu auras aucun problème sur Twitch. Mais en revanche, tu peux effectivement te faire strike sur YouTube. Ah donc sur Twitch c'est bon mais pas sur YouTube quoi. C'est sûr à 200% ça? Ça me fait un peu peur en vrai.
Kneki. Tout à fait, j'ai vérifié auprès de l'un des devs du jeu pour être sûr de l'info. En vrai, ça avait l'air méga intéressant le son et tout, mais. Du coup, merci, chiant. Un riposte. Ah, c'est vraiment dur en vrai, le riposte est vraiment. Merci beaucoup quoi. Examiner. Merde, j'allais trop vite. C'est ok sur Twitch, tu peux activer tout. Que faisais-tu ? Seul à l'agora, je voyais tes mains agiter gracieusement, effleurant le globe holographique pour en extraire des symboles que j'étais alors incapable de déchiffrer. Je n'avais pas atteint ma 10e année d'existence, l'accès au réseau m'était interdit. Tu aurais été contrainte de me ramener à mes tuteurs si je m'étais approché. Je suis donc resté là, caché derrière une colonne, jusqu'au soir. J'observais tes doigts danser sur le verre pendant que tu parcourais les yotabits de savoir du réseau Eibon. Insatiable et captivante, immaculée dans l'or du crépuscule. C'est beau, anonyme. C'est beau. Alors attendez, parce que du coup, délivrance, audio. Ouais, la musique est grave belle en vrai. En plus de ça. C'est grave chaud les ripostes. Je sais pas si c'est ça qu'il fallait faire, mais peut-être. Hop. C'est pas trop où je suis tombé. Là, il y avait un gros monsieur en haut avec des tireurs un peu en mode bon. Hop. On a pas mal de shards. Je crois qu'il surveille juste. J'avais juste cette clé là à attraper, je crois. Hein. Je crois que j'ai pas besoin de me tuer sur ça. Il est toujours en alpha le jeu. Bah, je sais pas là. En plus, on vient de remettre un peu le truc, mais je crois que la musique. Leur truc là. Ça a l'air encore plus silencieux que tout à l'heure. Le jeu est à 1.0. Ok. Je dois aller par où? Je suis arrivé par là moi. J'ai sauté. Ah, peut-être par là. Je crois qu'à un moment on a vu un truc, mais. Ok. Il doit y avoir un truc peut-être vers là, non? Je suis pas sûr, mais peut-être. Je suis pas sûr de ça. À part peut-être monter. Je crois qu'on est trop loin. Ouais, on est trop loin. Tac, tac, tac.
Ouais, ça nous ferait sauter sur le toit, mais pas sûr. Ah oui, est-ce que maintenant on peut activer ça peut-être? Oui, monsieur. Oui. Enfin. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Y'a rien ici. Je vais attendre encore un petit peu pour y rejouer du coup. Ok. Ça me fait peur quand le jeu se met comme ça. J'ai juste regardé si je loupe pas des choses. Oh bordel, attaque cardiaque. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà la tête du truc que j'avais ramassé tout à l'heure. Ok, on va pouvoir activer ça, c'est nickel. Par contre, genre là, 3325, si je veux activer, ça me laisse là. Il n'y a pas ce truc où je peux me téléporter pour aller mettre mes points par exemple. Il faut que je reparte au début. Ah, je sais pas. Dans les trucs. Hop. Je vais me faire avoir. Ah, c'est vraiment une toute petite potion. Toute petite potion. Dagbar. Oh là là. Du coup, j'ai tapé dans le mur, j'ai pas pu double jump, je suis dégoûté. Non. Ah ça va, je perds pas. Bah pourquoi ça dit que j'ai perdu les trucs alors que non? J'ai toujours 4100. J'ai rien perdu du coup. Ouais, y a pas de son. On est bien d'accord que là, audio. Ouais. À part ça, attends. Ouais, t'étais à 100%. Y a pas de son en fait. C'est vide. Du coup, il y a des gens qui ont joué aux versions d'avant. C'est vraiment aussi vite là le jeu au niveau du son. Après, je comprends si c'est
C'est le début en quelque sorte, hein, clairement. C'est vrai que ça me fait un peu mal au... Curse. Alors là, j'ai activé le TP, j'imagine. Okay. Ça m'amène... Ok, ça m'a amené là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Et là, je vais aller poser mes points. Donc pour le moment, pas lui que là. Et là, ce que je veux voir aussi, c'est que si je reviens, est-ce qu'il faut que je refasse tout ce que j'ai fait? Et ça, ça serait un Alt F4 direct, bien entendu. T'as pas moins de PV. Alors, où est-ce qu'elle est? C'est ici. Activé. Niveau 9. Il y a des marques qui te permettent de revenir au limbe et au dernier PDS. Oui, il y avait... Attends, c'était quoi? Inventaire, c'était... Je crois qu'il y avait un truc du style... Oh oui, on a réservé des énergies en connu. Ah, et par contre, il y a des trucs que j'ai trouvés. Est-ce que je peux les ajouter? En fait, c'est comme d'hab, il y a... Là, il y a juste... Les lumières fragmentées. Alors même combien de temps s'est écoulé depuis les grands massacres, ou si les temps existent encore d'ailleurs. Alors effectivement, puisque tu demandes, une année qui pourrait t'aider à retrouver ton nom et ta mémoire, la parole peut-être. Le roi Hypnos Arjtir, le créateur. On est bien avancé. Mais c'est véritablement ton jour de change, je consens à t'aider dans ta quête. Par ennui, certes, mais surtout par altruisme. Je vais m'aider. Quelle belle journée pour se lancer dans la recherche d'un monarque disparu. Il y a des éons dans un monde à la dérive où règnent des démons séculaires à ce fait de sang. Au moins, nous n'avons pas à nous torturer par savoir où commencer. Ça manque de choix. Vois ces portes qui nous entourent. Elles mèneraient jadis aux quatre coins du monde, si tant est qu'on considère que le monde est un carré. Ce qui n'est pas sûr. Corozone est le gardien de la clé. Et la clé. Il se dresse très mieux lui aussi devant la dernière porte, la seule qui soit encore ouverte sur les terres fracturées. Miosis. Nous pouvons nous y rendre si tel est ton désir. Enfin, nous aurons nous y rendre. Ce n'est pas en restant ici qu'on découvrira quoi que ce soit. La marque du juge auteur. Bord d'un inventaire. Mais là, le truc, c'est que ces marques-là. Est-ce que j'en fais? Ça vient de me tuer en fait. Et bon se pencha vers ses disciples et leur dit les mots de l'oreille n'entendent pas mais que l'esprit dévore. Dans une extase fiévreuse, ils avalèrent la lumière. Je mort. Ah, ça m'a TP de l'autre côté. Oh non, c'est pas ça que... Attends, mais what the fuck. Ah mais si, mais c'est juste un full TP de l'autre côté. Attendez, j'essaie de comprendre des choses. Parce que du coup... Si tu avais pu voir mes semblables autrefois, nous étions à la voie les messages de tous les seigneurs. Nous parcourions les chemins forts de tous les secrets du monde. Ah, béni soit le jour des murmures. Marc emplit des murmures et de chuchotements incessants permis de revenir au puits des limbes le plus proche sans sacrifier d'essence. Ah, parce que quand on prend un TP, on se sacrifie? Et ça, c'est quoi? Je pensais avoir genre une potion de plus en quelque sorte. Fragment des terres. Et là, du coup, si je fais dans mon inventaire, si je clique là-dessus, ça me renvoie au début. Sans sacrifier de choses. C'est compliqué. C'est de comprendre.
Et donc c'est pas un usage unique. Donc ce qui est pas mal. Ça m'a fait un peu peur. Moi les usages uniques me font un peu peur. Donc là je vais juste faire ça parce que donc si je vais dans inventaire, j'avais oublié de claquer quelques trucs. Utiliser. Bon c'est pas non plus la folie. Hein, mais... C'est toujours ça. Ça, ça ne marche pas comme je le souhaite. Ça en plus. Et clé trinaire. Utiliser. Ok. Donc, ce qu'on veut. Ça marche ou pas? Ça a l'air de marcher. Ça coûte si cher. Niveau suivant, 1400. Ok. Cher. Est-ce qu'il y a... J'avais pas vu par là, je crois. Ah bah du coup, il y a un truc peut-être. Ouais. Ah, voilà. Creuser et maintenant activer voyageur. Artisanat forge. Ah! Êtes-vous sûr de vouloir améliorer cette arme? On peut tenter. Attends, du coup c'est 4 trucs comme ça qui font que... Ok. Bah go faire une évolution pour moi. Amélioration. Oui ma bouille. Niveau actuel plus 10, niveau suivant plus 20. Ok. Artisanat. Fragment de vie. Donc c'est moléculaire, donc ça on l'a vu tout à l'heure. Donc ça c'est quoi? Oula les amis. Qu'est-ce que c'est que le truc? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Saut intriqué et anguleux, ciselé dans un morceau de roche polie, utilisé pour augmenter temporairement la régénération d'endurance du porteur d'armure. Donc c'est des consommables. Et parmi les temporairement la capacité offensive potentielle d'une arme. En gros, lourde et dense que le fragment raffiné, la surface de matière est parcourue d'ondes et de sombres sauts utilisés par les arrières pour un stable détecté, perturbation. Ouais mais ça c'est la même chose, ça veut dire que... Et ma bouille. Donc ça c'est ce qu'on avait ramassé, morceau bruit d'un cristal translucide dont une grande quantité d'énergie éthérique. Attends mais du coup ça voudrait dire... Yes. Ah attends, et quoi? Améliorer creuser. Vous devez posséder un segment de creuser. Ok. Donc ça c'est bon. Inventaire. Utiliser. Ok, j'ai ramassé de l'énergie. Ok, c'est de l'énergie. Vous êtes encore là. Est-ce que le creuset que vous regardez? Le feu comme un cœur volcanique. La terre, il assemble et désassemble l'essence physique des éléments qu'on y plonge sublime. J'ai forgé tous les matériaux que j'ai trouvés, mais il n'y a pas grand chose à fondre ici. Le monde semble plus gris. Auriez-vous des couleurs récemment? Vous savez, j'ai encore les mains des amis là-haut. Mais je suis, comme dirait, très attaché à ces limbes. Je ne sais plus exactement comment ça est arrivé, peut-être. Ai-je toujours été ainsi? Je façonnerai des armes d'autrefois et puis tout fut détruit, tué. Je ne sais pas si les miens sont encore en vie. Que direz-vous que je suis ici si vous les voyez? En échange, je travaillerai tout ce que vous m'apporterez. Je travaillerai le creuset. Allez. Ok. Ça me paraît bien. Augmenter la puissance du catalyseur. Il faut prendre autre chose. Ok. Ah, oh, vous êtes végère l'autre fois, vous n'êtes pas mort. Montrez-moi ce que vous avez. Amélioré. Charge de catalyseur. Ok, donc là je viens d'avoir une potion supplémentaire, c'est ça? Catalyseur, charge supplémentaire. Puisque vous êtes là, et vous? Non, évidemment. Vous ne vous inquiétez pas pour moi. Si vous reveniez, mon nom est Kuta. Honoré d'avoir croisé votre route, voyageur. Ok, donc là, en gros, j'ai... Non, pas du tout. Moi, je pensais.
parce que je me suis déjà soin. Non, il n'y avait pas de potion. Alors regarde, la voyageuse perd sa carapace de votre masque. Il amène d'elle une étrange aura de puissance et de mystère. Ok, bah ça fait plaisir. Juste regarder. Charge de catalyseur. Ah mais j'ai exactement ce que j'avais tout à l'heure, non? Mais il se passe plein de trucs ici en vrai. Alors attendez, parce qu'il se passe plein de trucs. Je sais pas si je pense pas. Mais non, je suis venu de là-bas, non? Putain, je sais plus d'où je viens. Donc ça, c'est les portes qu'on nous a dit. Pas du tout, c'est pas des portes, mais on s'est compris. Pas du tout. Juste voir un truc, parce que ce que je viens de ramasser, je pense que c'est ça. Améliorer. Voilà, j'ai un catalyseur ajouté. Donc ça c'est bon. Partir. Ok. Parce qu'on est d'accord que moi je suis venu par là. Hein. Memento. Donc là il y a trois. Voilà, j'ai trois potions, parfait. Donc ça on l'a saisi. Nickel. Donc moi je suis venu par ici. Donc là il y a des portes fermées. Et donc on va juste continuer à faire ce qu'on faisait. Sachant que là. Je ne vais pas appuyer sur ça malheureusement. -0, 4, 5, 10, 3. 0, 4, -5, 1, 10, -3. 7. C'est bon. On a trouvé comment vaincre. Ok, c'est parti. TP. Into TP. Bon. C'est cool d'avoir 3 popos. Ok. We are here. Parfait. Donc là, il y a encore un TP qui ne marche pas. Ah, faut lui parler. Oh oh, un nouveau masque approche, mon ami. Bhakti. Non, pas que Bhakti se sente seule, mais cela fait du bien longtemps qu'elle n'a pas eu de discussion en bonne compagnie. Ah, c'est amusant cette petite chose sur ton épaule. Elle te suit partout. J'imagine que cela apaise la solitude du voyage, tu te souviens d'avant? Les conversations que nous soyons étaient si belles, intarissables. J'ai passé tant de temps à diviser sans fin dans l'agora, à des milliers de kilomètres de l'ami le plus proche. Nous ne manquions jamais l'appel de bavardage, les îlots de la ceinture pour seul témoin une fois nos recherches du jour terminées. Précieux instant. Aujourd'hui, il n'en reste plus presque rien. Quelques particules virtuelles qui s'étiolent à mesure que le monde change. Il m'est arrivé d'en apercevoir quelques-unes loin d'ici. Je reviens de l'autre côté de la mer, celle qui n'avait pas avant que les démiurges sortent du vide. Ah, tu n'avais pas été détruit, j'aurais pu te montrer des grandes villes qui s'y trouvent en un rien de temps. Triste. Tu devras t'y rendre par tes propres moyens si tu le souhaites. Je suis comme toi, il me semble. Je voyage pour découvrir les vérités que nous ne connaissons pas encore. Et comme différencier les connaissances inconquises de celles que nous nous avons perdues. Oh putain, le bordel, au secours. Comment c'est ? Acheter. Ah. Partir. Ok, je me demande à chaque fois. En vrai, j'ai peut-être voir d'acheter les violettes. Enfin, les. Peut-être un truc avec ça. Vous êtes silencieux, hein! Pas ce que vous êtes en train de faire, hein! Oh, pixel bleu ici. On regarde au dev. On te regarde, oui, je sais. Mais bon. Vers le Nexus Cardinal.
Qu'est-ce que c'est que ça? Vu comme ça. Ouais, j'imagine. Alors, vers le Nexus Cardinal. Voyons voir ce que c'est. J'ai aucune idée. Ça a l'air d'être un peu. Oula, le labyrinthe en dessous. Ah, c'est un boss ça. Ok. Par contre, enfin, masse dégâts de fou. Il y a un monde. Enfin, peut-être pas encore le moment pour aller taper dessus, mais en fait j'essaye de parer ces trucs et je n'arrive zéro. J'arrive juste zéro. Oui, c'était RL pour roulade, mais. J'essaye de parer en fait. Je sais pas si c'est un peu buggé en vrai. Hein. Les roulades me semblent un peu bizarres. Non, c'est juste que j'ai été trop fort en fait. Je sais pas s'il tient la porte, mais je pense qu'il va mourir. Mais le truc, c'est que, ouais, je sais pas. Je trouve ça trop dur le. En fait, ils disent de faire Q avant que ça claque. Mais ouais. Je sais pas quoi c'est. Ok. Bah ça va. Ça va encore, mais il y a des roulades normalement. Yes. On verra. On verra comment ça se passe. Gros mob, en tout cas. Donc là, on récupère quelque chose dessus. Bon, après, en plus, on a fait des. Oh. J'ai cru que j'aurais récupéré. Ah.
Malgré leur immense pouvoir de destruction, les épées cardinales sont davantage des clés d'accès aux strates profondes du réseau que simples armes. Chacun d'elles contient une réplique partielle d'un noyau de seigneur et offre toutes les prérogatives affiliées. Une réplication de conscience et de système serait donc chose aisée, tout autant qu'une suppression définitive et dramatique. Il est formellement interdit à tout citoyen d'Astir d'utiliser, détenir ou chercher les épées cardinales. L'âme cardinale magnétique. Donc en gros, ok, c'est juste après, est-ce qu'on peut voir genre les dégâts peut-être? Est-ce qu'il y a une différence de dégâts? Est-ce qu'il y a des planches de dégâts, vitesse d'attaque? Donc là, bien entendu, on a beaucoup plus de vitesse d'attaque, on a plus de légèreté, on a moins de dégâts. Après, c'est sûr que celle-là, on a fait un up dessus, donc à voir un peu comment ça se passe. Par la suite, peut-être c'est plus une arme en plus qu'on va pouvoir jouer peut-être avec un bouclier. Bon allez, je vais manger. Bisous Etino, bon app. Bon app, bon app, bon app. Ça pourrait être sûr. Hein. Merci à Supermentier, j'avais pas vu à Supermentier qui s'était reçu pour son 21e. Merci beaucoup à Supermentier. Merci beaucoup, pardon. Alors. Temple de Naruo. Ah mais là c'est trop chaud les gars, ouais. Nexus cardinal. Ok. Là j'ai plus de potions. J'aurais peut-être dû... J'aurais peut-être dû régène et prendre le TP juste derrière. Comme ça j'aurais eu mes potions, je pense. Et je pense que je vais faire ça. Parce que je pense que je vais me faire avec la taxe. Attends. Parce que sinon je fais ça. Alors attendez. Que je comprenne. Là je fais inventaire, je fais ça, je me casse, voilà. Quel est ce petit personnage sur ton épaule? Il y a une espèce de compagnon qui nous raconte des petits trucs en lore quand on est par ici, et c'est lui. Gagner une puissance contre des fragments, c'est Yak. Donc il y a qui a pu avec un fragment. Un fragment Ibon. Une pensée lourde ordonna le vide. D'un regard il fit le monde. Et d'un murmure il nous créa nous. Astir, tel fut notre nom. Le roi arpenta longtemps son nouvel espace et vit ses enfants apeurés dans la pénombre des premiers jours. Il s'arracha les yeux et les projeta dans le vide par-delà le cercle du monde afin qu'ils éclairent nos vies. Gros concept. D'un geste et d'initial, la lente rotation des astres put se consacrer à d'autres œuvres. Il y eut Narayana, le palais des mille portes où se dresse son trône. Il y eut Durga, Narue, Citra et Radamante, les quatre seigneurs cardinaux qui portent les fondations du monde. Il y eut la garde royale d'Hypnos, les illustres Mantramurti et Yantra, entourés des innombrables merveilles de sa création, notre civilisation devait perdurer des millénaires et conquérir des distantes étoiles. Puis vint le crépuscule. Le royaume fut peu à peu plongé dans les pénombres, alors qu'atmosphère grisâtre et mélancolique s'installait. Le roi n'est plus. Ok, ça on l'a lu tout à l'heure. Est-il disparu, appelé vers d'autres œuvres en dehors de cette réalité? S'agissait-il d'un test destiné à éprouver notre foi, notre loyauté? Il avait retourné au néant ayant brûlé trop vite, trop ardemment son âme divine pour bâtir notre nirvana. Son départ annonça la fin, dieu ténébreux, démon oublié. Ou incarnation vivante de notre orgueil, il s'abattit sur l'univers lors d'une interminable éclipse. Les astres détournèrent le regard, ignorant tout supplique. Le
Nous parlons des créatures au pouvoir gigantesque capables de raser des villes entières d'un seul mot déterminé à conquérir ou à détruire. Les montagnes s'effondraient, les lacs, les rivières et les mers. Ouais, ça on l'a vu, on a tout vu ça. En vain, voilà. Donc en gros, une fois que j'ai fait ça, oui, je voulais aller là, je voulais mettre mes points. Très bien. Je sais pas si je vais avoir assez, mais au moins ça sera fait. Voilà. Comme d'hab, force. Et donc là, du coup, si je refais mon inventaire, donc en cliquant là, ça devrait m'amener à ma dernière, aux dernières utilisations de puits. Si je dis pas de bêtises, il ressemble à Jack, ouais, clairement. Oui, c'est ça, l'étrange Noël de Mr. Jack. C'est Jack. Ok, donc là on y est, parfait. Donc j'ai juste à passer la porte vers la sortie. La Prométhéenne avait appris l'univers, elle savait tout au-delà de plus lointaines visions d'hypnose. Chose dans la contemplation de son savoir, et elle perdit le fait que, en fait, quand ils mettent des trucs où il faut lire, ça part beaucoup trop vite et on ne peut pas terminer la phrase. Ça fait trop plaisir, mais ça c'est sur tous les jeux. Donc. C'est parti. Oh bah là. Il y a un petit truc à ramasser là. Donc ça sera déportation qu'on pourra activer une fois qu'on aura fini notre zone qui est ici en dirait. Oh non. Parce que du coup c'est foutu. Je crois que c'est foutu. Ah mince. Ouais, j'espère. J'étais un peu obligé là. Dommage d'une marche. GG Juice. DS, merci. En fait, j'aurais pu partir vers la gauche, mais j'avais envie de passer par le haut. Enfin, il fallait que je voulais ramasser le truc, donc je vais recommencer. Where is the plaisir? If you don't arrive. Et bon, se pencha et tomba. Alors. Ça suivrait, ils avalèrent la nuit. En tout cas, le lore du jeu a l'air d'être un truc de fou. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Et j'aime beaucoup ce petit personnage. Après, pour le moment, les parades, ça a l'air d'être un truc assez. Ouais. Où est-ce qu'il est ? Ah mais c'est juste un truc. Les portails sont un nouveau fonctionnel, j'espère pouvoir bientôt terminer mes travaux pour dépasser cette technologie si statique. Irad, ingénieur. J'ai vraiment fait tout ça pour lui. On veut. Je m'en veux de fou. Okay. Attendant, là, est-ce qu'on va activer le portail? Ok. Donc là, ça veut dire que on a activé le portail de TP vers la zone. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'est ça. Donc on va pouvoir tout simplement continuer notre chemin. Vision d'Akbar. C'est un truc là. Oh, qu'est-ce qu'il veut? Ah, bah, je peux pas te parler là du coup. Ça fait plaisir. Je peux pas lui parler. Ça y est. Il y a de l'après ici. Je commençais présentément à en avoir l'intuition. Vois ces toitures, ces briques rudimentaires agencées avec soin qui contrastent tant avec les bâtisses de pierre colossales et les archers d'acier aussi hautes que les montagnes.
Des arches. Le temps se mêle et se fonde maladroitement pour dresser une toile nouvelle. Notre univers en déliquescence ne peut résister aux ressacs. Ressacs de l'avenir qui se construit sur sa tombe. J'en ai trop marre, à chaque fois je lis des trucs trop compliqués. D'autres naîtront sans doute quand les dernières traces de cet âge auront disparu sous le sable de l'eau, moins grand, moins sage, moins fou. Nous marchons peut-être sur le berceau du futur, qui nous laisse une chance de trouver une taverne. C'est déjà ça. Mais ce n'est pas là. Pas de taverne. Ah, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a lui. Il a l'air un peu énervé. Que si je me mets devant lui, il va lui tirer dessus. Je crois pas. Quoi ? Attends, c'est passé quoi ? Il s'est passé un truc, mais j'ai pas trop compris. Ça fait plaise. Hop, était genre à 600 mètres là, il s'est passé un truc, une sorte d'exec backstab. Aucune idée. Oh le démon. Le démon. Oh, une guitare. Let's go. J'aime. De viser là. Ça a pas mal d'HP en vrai hein. Peut-être pas encore passer par là. Mais ouais. En fait c'est ça, c'est quand je suis dans le dos, ça met des attaques. Le fusil qui pète un peu en dessus. Est-ce que je peux casser une chaîne ici? Non. Foutu.
Ah, bah non. Parfait. Nickel. Pile poil au bon moment. Même le sol, il me lit plus. Mais non, Manu, c'est juste que je suis dans le truc, là. Yo, je sais pas si tu me connais, mais j'aimerais un jour qu'on se revoie autre que des œuvres caricatives ou OP. Merci. Emmanuel Moment Marquez. T'es chiant. Tu veux venir manger à la maison ce soir ou quoi? Tu fais quoi, ça? Je suis tout seul à la maison. Tu veux venir manger une pizza, on se regarde un truc? C'est faux. Confinement, Manu. Merde. Putain. Moi aussi ça me fait chier, mais qu'est-ce que je te dise? Je joue l'après-midi. Je travaille l'après-midi, Manu. Pas encore pour toi. Lui. À partir de mardi. Herbé, je vais sauter de ma... Bah, viens manger un truc si tu veux. Quelqu'un dans nos pas, quoique sa présence nous précède parfois. Peu sont capables de se jouer ainsi de mes sens, restons prudents. Oui mais non, enfin... Il y a toujours le fait que les gens doivent rentrer chez eux, non? Non, Derka? Y a pas ça? Parce que le problème, c'est que Manu, une fois qu'il vient, il s'en va plus. Et après, il reste à la maison. Y a pas un truc qui fait qu'il doit... Comment on joue? Genre, y a pas le... Je suis comme un virus. Mais tais-toi. Je disais juste que je crois, il n'y a pas le fait que bah, il faut que les gens soient rentrés chez eux et qu'ils n'ont pas accès à je sais pas quoi. Bah oui, le couvre-feu est un effet des 19h. Ça veut dire que si Manu vient manger ce soir à la maison, par exemple, bah, il ne pourra pas rentrer chez lui parce que s'il se fait arrêter, et bah, c'est chiant. C'est ce que je dis. Hein. Éclaté parce que je comprends pas trop où je vais. Ok, je vais par là, c'est bon. Ah, c'est le truc. Je dormirai en toi. Tu voulais dire chez moi. Dormir en moi, c'est autre chose, ça, Manu. C'est dégueulasse, Manu. Est-ce que... Attends. Je suis le boss du game en fait. Je suis juste le boss du game. Tortue ninja. Non, en plus juste va regarder Hippo Soon. Enfin, dis pas ça, ça y est. Enfin. Je regarde les mégalobox là. Hop. Ah mais attends. What the heck? Attendez s'il vous plaît. Oula mais ça fait trop mal. Excusez-moi les amis mais là c'est trop. Et qu'il part après, c'est good. Il faut qu'il prenne son 4 bis et c'est good. Quoi? Quoi? Que tu racontes déjà?
Bon, du coup, je refais mon chemin là. Compliqué cette histoire là. Par contre, la guitare est sublime. Hein. Je veux rien dire, mais voilà. Ton guitare. Ok, ça fait trop mal. Attends un petit peu que ça se passe. Voilà. Voilà, c'est là qu'il faut passer. Écharde mortelle. Activé. Ok. Il se passe des trucs de fou. Donc après, je vais où là, moi? Je vais par là-bas. Ok, je pars là. J'attendrai ici. Il va nul l'acheter. Tout le monde n'est pas l'étoffe d'un tueur. Ok. Il me laisse tout seul. Ok. Donc là, il doit y avoir le raccourci. Trop dur les parades, trop dur les parades. Vraiment trop dur les parades, ouais. Oh, clé de telle de vide. Parfait. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On va pas encore aller par là. Ah, quoi que. Intense. Hop là! Charge de catalyseur. Yes! Ce qui voudrait dire encore une potion. Je trouve du goût. Au vent. L'étranger. Non, il se passe quoi? Attendez, attendez, il y a un truc. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Laisse-moi tranquille. Mais je regarde rien, what the fuck, quoi. Il est où, lui? Attention avec l'endurance. The stamina. Ouais. Allez, dégage de là. Le nabs. C'est ok. Attention, accès prohibé, noyau du seigneur désynchronisé, réseau fragile, intégrité structurelle compromise. Attention immédiate. Boom. Let's go. Passe. Voyageur exécuté. Ça devait pas être un boss, ça devait être un mob un peu hachette, je pense. Comme d'hab. Ok, je récupère ça. Boom. Essence volée. Pas vraiment. Ça c'était. Mais là par contre ça me dit. Enfin, j'en sais quoi. Ça doit être un vendeur, ça, non? Pourquoi il y a parlé? En toute amitié, dégage!
comprends pas pourquoi je t'intéresse autant. Mais enfin bon. Si t'as vraiment décidé de pas te parler. Ça va te paraître bizarre, mais j'ai pas exactement ce que je fous là. J'ai même du mal à reconnaître les alentours. Je le sais, je l'ai déjà fait sous ce chemin pourtant, mais cette forteresse, je la reconnais pas. Elle va plus pousser en une nuit, on est d'accord. Pas causant. Hein. Ah, laisse tomber, je vais méditer sur mon sort de minuit. Allez, à la revoyure. J'ai survécu assez longtemps pour qu'on se recroise. Attends, voyageur, si t'arrives à choper le nom de la ville où on est là, viens me le dire, juste histoire de me faire passer le doute. Moi, c'est Selm. Selm. Tout ça m'évoque tellement rien. Ok. Mais aucune idée, gros. Là, c'est quoi le... Ça en fout. Ok, bon. Bon, quand tu tombes, ça va, parce qu'en fait, tu perds pas. Ok, tu perds pas les trucs, donc ça va aussi. Mais c'est vrai que là, j'étais en train de. Voilà, péter un pont. Tomber dans le vide. Tomber dans le vide, c'est vraiment pas drôle. Travailler les jeux de plateforme. Arrête. Excusez-moi. Je pense qu'il faut que j'aille par là-bas, mais. Ouais. Par contre là il y a un petit truc, je me demande si normalement c'est le petit bonhomme qui est dessus. Pas la faute. C'est juste vraiment pas ma faute en vrai. Da! Da! Bah heureusement qu'il faut pas récupérer ces trucs hein, quand. Vas-y, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Il doit y avoir un truc par ici, j'en suis sûr et certain. À part peut-être juste pour ramasser des trucs, mener là aussi pour ramasser des choses. Donc voilà. Je fais de mon mieux. Donc là. Je pense pas que je puisse aller de l'autre côté pour ramasser le truc. À part si. Ouais, non. Vous avez vu, ça me pousse de fou ce truc. Donc là, ça je peux pas. Et j'imagine que c'est un truc pour avoir une potion supplémentaire. Donc je ne peux pas accéder par ici. Donc on va aller tout droit. Voilà. Non mais en vrai ça c'est pas si compliqué que ça les fights. A voir par la suite. Après j'ai vite fait les up et tout. Donc peut-être que j'aurais beaucoup plus de mal sans les up. Première fois de ma vie où je up une arme avant de commencer le jeu en fait. Donc il y a ça aussi. Après bon on va... Oui, on va se voir la face. Donc là, si je veux passer par là, qu'est-ce qu'on a pas ici? Ça m'intrigue ça. Ça m'intrigue un petit peu. Là, on ne possède pas la clé. Ça, ça m'énerve. Ça, c'est... Est-ce que c'est après? Les dégâts? C'est chiant parce que là je perds les nuits. Merci Arcade!
Merci beaucoup pour le resub et le 11e mois, Sajous TV, j'espère que tu voyais. Merci. Bon, il va falloir que j'aille taper le mob. Oh merde. Merde. Eh, il fait si mal, what the fuck en fait. Donc là, j'ai une clé à mettre ici. Par contre, il faut vraiment que j'aille ramasser des trucs. Il y a 8000 pièces là-bas. Enfin, il y a 8000 de je sais plus quoi. Donc, faut quand même y aller. Donc je crois, on est d'accord que tout à l'heure, c'est quand je touchais le mob qui me tuait que je récupérais mes... Donc c'est ça, hein. Pas de bêtises. Ok. Oui, il faut le taper... Pas mal. Attends, les mobs là font trop mal en vrai. Ouais, ils jettent des grenades et tout ça. Ouais. Puissance élégante. Ah, ils pouvaient pas passer par là, les pauvres. Ah, est-ce que j'aurais pu prendre un coup ici? Il semblerait bien que non. Attends, est-ce que là ça me paraît impossible de faire ce qu'il faut faire? Ouais, donc c'est pas encore le moment. Là du coup, est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Oui, on peut rentrer là-dedans. Vieille clé d'Akbar, ok, ça me parle. Ça me parle très très vite. Ok, parfait. On ne peut pas aller par là. Donc là du coup... Je vais pouvoir aller ouvrir la porte qui est sur le côté. Enfin, si c'est bien la clé que je pense. Il y a un raccourci ici que j'avais pas vu. Ok. Ça passe. Est-ce que là on va choper? Ok, ce mob est trop fort. Stamina. Oui. Swing. Ok, très bien. Oula, c'est chaud ce jeu. Qu'est-ce que c'est? Intéressant. Un petit jeu. Un petit jeu qu'on voulait découvrir il y a un moment. Et en fait, bah, le moment était venu. Ok, ça va. Allez, c'est le... Ok. Y a un problème avec ça, là. Y'a un petit souci, là. Hop. Alors, est-ce que là, si jamais... Je pense que... Oula. Ok, ok, ça m'attarde. Il y a plein de trucs qui activent, en fait. Voilà. Parfait. Bon. Ok, ok.
Donc là, je peux repartir. The real. En fait, vous avez vu, j'ai réussi à faire le truc sans vraiment comprendre ce qu'il fallait faire. Insane. Les masques sont des reflets des totems. Chacun est unique, lié à l'essence vitale et à la psyché de son porteur. Pas ça se dit comme ça. Par eux, nous accédons à la conscience, à l'éveil, et nous arpentons l'univers les yeux grands ouverts, lucides. On pourrait parler d'interface entre ton esprit et la matière, qui compose ton corps ou l'entièreté du monde. Mais, ok, énorme. Merci pour tes enfants. De grand plaisir. Aqueduc de Nymphure. Potion. Fragment de vie. Ok. Please. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils m'ont bloqué. Bon, du coup, il va falloir que je fasse attention parce que là, il faut que je touche plusieurs fois le mob avant que je me fasse arracher. Et vu qu'ils sont deux, il y a moyen que je me fasse imploser un peu vite. Là, on s'arrête. Alors, qui a mes âmes? Ce n'est pas lui. Mais c'est lui. C'est bon, ça passe. Let's go. Tous, on a récupéré ce qu'on voulait. Salut Lint, comment vas-tu Lint, l'ami Lint? Merci beaucoup, j'espère que tu vas bien. Merci pour le 39e mois sur Adjust TV. Merci beaucoup. J'ai tout vu, il fallait esquiver, suivi de tacler, balancer, mordre, relancer, aider, enfin... Ouais, tu vois. Par exemple, donc. Pour 100%. Ouais. Oh, il est joli. Salut voyageur. Cela faisait longtemps que nous n'étions pas croisés. Quoi? Replace ta mine déconfite, je plaisante. Nous nous sommes même jamais rencontrés. Je suis Aesk. Et toi, qu'es-tu? Et qui es-tu? Mieux stupide, il semblerait. Qu'importe, tu as l'air d'être un guerrier. Belle épée à ce sujet. Merci. Il y a dû beaucoup servir pour que tu t'atteignes cet endroit, n'est-ce pas? Oui. Voilà, il me semblait. Oui. Il s'agirait d'arrêter de poser des questions. Cet innocent n'est pas capable de répondre. Oui. On est seul. Peut-être est-ce que cette espèce... Espace qui te ferme au langage, il te rend koi. Koi. La carpe. Tout ici est fascinant, l'impression de se réveiller dans un rêve face à l'absurdité magnifique et excitante d'une réalité paradoxale où rien n'a de sens. Et où pourtant rien ne bouge. La causalité ne s'exprime guère en ces lieux en dehors de nos actes. J'ai vu abattre ces guerriers, mais je sais déjà qu'ils se relèveront encore et encore. Tout finit toujours par revenir à sa place. Étrangement, je ne me figure pas encore quelle aberrante logique régit ici les lois de l'espace dans le temps, ou du temps dans l'espace. Qui sait? Tu sais, toi? Là d'où je viens, aucune itération du hasard ne m'échappe. Ah, je pourrais laisser courir ces pensées jusqu'à la nuit, qui d'ailleurs ne semble jamais venir, mais ne suis pas certain de te garder captivé très longtemps. Tu sembles toi aussi en pleine exploration, loin de moi l'idée de te retenir. Ne t'en fais pas, même dans cet antémonde, le chaos veille.
C'est bon. Tu peux y aller. Yes. Miaou. On va bientôt aller jouer. Ok. Donc ça c'est bon. Donc là moi ce que je vais faire c'est... Oula, oula. C'était quoi ce truc là? Je vais utiliser ça. Je vais back. Ça va, merci. Fêter le week-end avec vous les Juicy Pots, c'est le plaisir. Comme d'hab. Alors attendez, inventaire. Hop, je retourne into the base. Into the base, Pitchounette. Qu'est-ce qu'on mange, Pitch? Tu veux un tacos suivi viande? Tu veux un tacos suivi... Non. Non, non, faut qu'on arrête. Pas de tacos ici. Ça fait 2 ans que j'ai pas mangé de tacos. Alors? Ah, quel plaisir. Salut Julien. Ah merde, je me suis trompé de... Mince. Mince, c'est celui-là qu'il fallait que je fasse. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On m'a sub, mais je te connais pas. Y'a aucun problème. Moi, c'est Juice. Streamer multigaming. Jouer. Multigaming! Mets des têtes sur des FPS, tranquille! Oui, t'as du... Y'a eu énormément de générosité tout à l'heure. Du coup, y'a eu des gens qui se sont fait subgift. Bienvenue du coup et merci de passer en te disant mais what the fuck c'est qui ce type, je vais aller voir ce qu'il fout. Du coup bah enchanté, ça fait plaisir. Ouais, il y a une petite compète tout à l'heure, les gens ils... Voilà, ils se mordaient. Ils se mordaient pour faire du gift. Ok. Donc ça c'est bon. Est-ce qu'on peut faire un truc pour être intéressant? Elle est avancée. Le regard de la voyageuse perce la carapace de votre masque. Il émane d'elle une étrange aura de puissance de mystère. Lui donner les sens volés. Elle hoche humblement la tête pour vous remercier. Au bout de ses doigts, d'étranges étincelles jaillissent à nouveau. Des charges d'éther améliorées. Hein? Quelque chose bouge. Dans un plat parallèle, quelque part, quelque chose bouge. Je le sens lorsque je ferme les yeux. Ma clé d'argent m'entraîne toujours plus loin dans les ombres du rêve. J'entends des voix effacées et les battements de cœur inébranlables d'être lointain que je ne peux atteindre. Il y a un ailleurs de l'autre côté de l'horizon des songes qui appelle à l'aide. Carnet d'Adria, 1980 CG. Ok, mais ça on l'a vu. Enfin, ça je sais pas ce que c'est en vrai. Ça va falloir comprendre un petit peu ce qui se passe. Parce que c'est un gros bordel. Augmenter. Améliorer. Là, on redonne un module. Est-ce qu'on a encore un module? Ok, 2 modules. On a trop de potions. Bah écoutez, ça avance plutôt bien. Du coup, je me retrouve avec je sais pas combien de potions. Ok, donc là, il nous manque ça. Donc c'est pas la peine pour le moment. Ça, je comprends. Pas encore. Saut d'obscur, mon labyrinthe gravé sur un médaillon VR. Utilisé pour améliorer ton premier capital. Ah, je veux juste voir si je peux améliorer le creuset. Vous devez posséder un segment du creuset. Ok. Pour le moment, c'est pas le cas. Très bien. Donc là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc là, si je refais échappe et que je refais inventaire et que je clique ici, on repart sur Zo. You. Il dirait que je meurs complètement dégueulassement, mais... En fait... Donc là, si je fais ça, voilà, là, 5 potions là. Pas mal, hein. Prendre ça, ça m'a l'air méga costaud là. Fallait bien que ça arrive. Il ne peut pas être ouvert de ce côté. Ok. Oh,
Oh les dégâts! Oh les dégâts du truc, au secours! Ah. Je vais ouvrir la porte pour le raccourci, j'imagine. Voilà. Bravo à tous. Oh bordel. Ok. Clé aqueduc est. Mais faudrait que je reparte, c'est ça? Bah voilà. Je suis reparti. Je pense que c'est bon. Ah on est reparti là. Tranquille. En vrai je pense que pour le speedrun c'est ce qu'il faut faire tu vois. On prend la clé en run tu vois. Il est un peu genre en fût. Bam. Ok, je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Il vient de se passer un truc de fou, mais j'ai rien compris. Si je fais ça sur un boss, je sais pas comment le faire. Ouais, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Parkour. D'accord. Il doit y avoir un truc. Bonsoir. C'est pas réellement où je vais, je dois vous avouer. Ok, un escalier pour descendre. Aussi. Je ne possède pas la clé. Ok. Qu'on est ici. Là, on est nulle part. On est nulle part. J'ai toujours 3 coups d'avance. Je pense déjà au petit. Mais non. Écoutez. Pas ma faute. Là, il y a une clé à avoir et je l'ai pas. Je connais bien là. Enfin, je vais passer par ici. Debout voyageur. Ah, du coup là faut revenir avec une clé. Je suis juste parti, je suis pas parti du bon côté. Il y a tellement de possibilités que je n'en sais rien. Là, du coup je suis parti sur la droite. Passer des trucs marrants, ouais c'était marrant mais on va aller tout droit du coup. Hop, on va chercher ça. Hop. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Non, fais pas ça. Ouais.
Mais en vrai, c'est dur de sauter comme ça, là. No joke, hein. Oula, oula. Bon, rien. Ok, donc là, il y a un truc. Merci Lerka pour les clap clap. Le truc c'est qu'on est en train de faire tout ça mais on n'a pas de save. On a un TP. Ça pourrait clairement nous aider. On va juste l'activer. Donc là, on va voir un petit raccourci ici. Oui, il y a des TP sur tous les trucs. Très bien. Donc ça, ça sert à quoi du coup? Ah. Ah ça, voilà. Let's go. Si on regarde là, là la porte, ok, je l'ai verrouillée, enfin déverrouillée, pardon. Hop, on le TP. Ouais. Il fait bobo. Oula, je vais killer. De creuser. Ah nice, let's go. Ça devient pour l'amélioration ça. Allez, faut que ça pète. Point. Bah. On a pas fait marcher quoi. Ça me plaît en vrai hein. En vrai ça me plaît. Après je le trouve un peu trop silencieux. Mais c'est très chill. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ok. En vrai c'est ok. Speedrun. Oh tiens, j'ai fait partie des stagiaires dev sur ce jeu en 2015. Mais non. Oh, déjà, en fait. Trop stylé, Graska. Merci Kodinka pour le reçu et à moi. Bonsoir et merci pour tout ce que tu fais pour les confinés. Y'a aucun problème. Hein. Merci beaucoup à toi d'être là. Sache que t'as une très bonne intuition. En tout cas, j'en ai tellement vu galérer un max sur certains passages que tu as fait. Assez gentil, merci beaucoup. Et là du coup, c'était quoi que j'ai ramassé? Non, c'était pas... Pas ramassé de clé là. Non, pas ramassé. Ah, attends, je vais monter par là. Yes. C'est ok. 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 Yes. C'est bon. Merci là. Oui. 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 Voilà. Mais ouais, le problème là, c'est que je sais pas. Parce qu'il y a un moment, ouais, il y a peut-être un moment où j'aurais pu monter. Ouais, il y a un petit rebord ici. Ok, là je vais monter. Parce que je crois que j'étais pas monté. Ah si, j'étais monté. C'est là où il y avait des trucs. Oh, c'est par où ici? Ah mais oui, ça on connaît. Ça on connaît, du coup on n'avait pas besoin de repasser par les trucs. Donc on fait ça. Donc ça serait quoi?
Du coup, ça nous donnerait l'accès là. On évite les jumps, donc c'est encore un raccourci ici. Là, on en est là. Et là, ça serait par ici. Ouais, fait des loot. Planète supérieure. Ouais, ça doit être par là. Ça doit être la bonne tour. Peut-être. Oh oh. Petite gifle. On a ici. Je connais ici. J'ai ramassé une clé ou pas? En fait, je sais pas si j'ai ramassé. Oh mince. Ouais, j'ai pris la clé, on est d'accord, donc là il faut que je parte. Je vais vérifier dans mon inventaire, mais je crois que j'ai une clé. Et en fait, la clé qui va me permettre du coup d'aller juste là, mais à droite, du coup. Je dis pas de bêtises. On a la clé de l'aqueduc. Aqueduc Est, aqueduc. Bah, je crois que c'est. Enfin, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est ça. Donc tout à l'heure, on s'est confronté face à une clé. Et du coup, c'était en face, je crois. Voilà, déverrouillé. Ah, il se passe un truc, je peux plus. Okay. Oh les relous. Ici. Et boum, bim, boum. Voilà, nickel. Ok, donc là je passe juste là. Oui, parce que là c'était le passage où genre je suis monté, le truc était cassé. Du coup j'étais en mode ok, il faut passer par là. Du coup j'ai pas de clé. Donc on est bien. Pour le moment on est bien. Donc faut voir c'est ici s'il y a pas autre chose. Ramasser par ici. Ok. Attends, mais j'avais pas des... J'ai oublié d'aller tuer le... Le mob, je crois, non? J'ai fait une bêtise. J'ai oublié d'aller le récupérer. J'ai oublié de récupérer mes points. T'as pas un log, Juice? Attends, je suis embêté là. Je crois que je me suis bloqué du coup. Je pense que je me suis bloqué là.
C'est pas perfectionné. Composant aux technologies plus avancées. Propriétaires régénératrices. Non, c'est pas ça du tout. J'ai un petit problème. Pensant que c'est un ascenseur, ce qui pourrait être un ascenseur, je pense. Est-ce que je suis bloqué? Il n'y a pas une possibilité de passer par... Bah, bien sûr que non. Ah! Bien vu. Ça n'a pas l'air cool. Nickel. Wow. Bah, trop les sous-sols, j'en fais. Ok. Hop. Merci beaucoup. Aguito, merci pour le tiers 2, le quatrième mois sur Adjust TV. Merci. Bonsoir. J'espère que t'as passé une bonne journée. Et merci pour ton soutien, c'est très gentil. Mec, il pousse en l'air, let's go. Un fragment des bombes. Ah ouais, parfait. Donc là, j'active le pont, j'imagine. Ascenseur qui va activer le pont. Attends, mais. Oh, je l'ai pas vu. Oh! J'en ai fait des gants. Ah, mais attends, c'est easy ça. Je peux passer par là du coup. Donc, c'est quoi le truc? Qui redescend? Oui. Oui, oui, oui. Et de pas se faire écraser par le truc. C'est parti! Ok! D'abord faire ça. Et ça peut bien entendu nous être utile. Donc là c'est de là où on vient. Je vais remonter dessus, comme ça au moins ça sera fait. Et on remonte. Du coup j'imagine que je vais pouvoir descendre le... Le bridge. The bridge. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Énorme gant. Le bridge is here. Hop. Et je crois qu'à un moment en fait j'ai Darker, on est d'accord, j'ai pas pu j'ai pas récupéré mes trucs là. Ah c'est tout. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Passé tout à l'heure, j'ai dû zapper un truc. Tout à l'heure, je me suis bien fait tuer par un mob et j'ai oublié de récupérer mes runes, non? T'es pas allé retuer le mob qui a explosé, je crois. Oui, mais c'est au début, ça. Là, du coup, lui, no need. Qui est là-bas. Peut-être pas celui-là, mais le deuxième qui est là-bas. Voilà, c'est ça. C'était celui-ci. Ok. Donc là, en fait, je sais pas trop où aller. Ah, quoi qu'il y avait ça aussi.
Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des clés là aussi, je crois. Yes. Si je dis pas de conneries, je crois. Oh non. Je suis pas sûr. Pourquoi on a une porte mais je peux pas accéder? Ok. Donc ça c'était l'autre clé, d'accord. Parfait. Nice. Là je pense que c'est tout droit. Perfect. Hop. Il faut que je fasse attention, l'endurance quand tu sautes, il y en a beaucoup qui part. Hein. Ouais. Bien. Ouais, c'est vraiment super. Hein. J'aime vraiment beaucoup le style de jeu. Je sais pas ce que vous en pensez avec ce qu'on a pu voir là pour le moment, mais franchement, c'est super intéressant, je trouve. C'est clairement super intéressant. Après, je le trouve. Enfin, genre, il n'y a pas assez de. Ça, il faut que ça fasse il faut que ça fasse des trucs quoi. Là, on dirait que je marche seul dans le désert et qu'on vous endormez avec moi et moi, enfin non, moi je m'endors pas parce que je travaille mais tranquille. Ok, donc moi je suis arrivé par ici. Ah, il y a le Valnir qui est là. It's time. Vous êtes tranquille. Est-ce qu'il y a... On sait pas si c'est juste un boss. Oh, te revoilà, pardonne-moi, j'étais perdu dans mes souvenirs. J'ai été maître d'armes il y a longtemps, j'ai de nombreux élèves. Shem, Shilagar et Chandras, Valtiel, et lui, bien sûr, le meilleur d'entre tous. Le meilleur d'entre nous. Il m'est trop difficile de prononcer son nom alors que tout ici rappelle ma mémoire. Les textes et statues se chargeront de te conter cette histoire. Acheté. L'un des artefacts créés pour les gendarmes marquant le lien pour le coûte cher ce truc. Et après c'est l'un des artefacts créés par le légendaire provoque une suractivité temporaire de l'ordonite contenue dans les armes sans sentier et augmente considérablement les dégâts. Après faudrait voir à quoi ça sert. Vas-y, tu sais, ouais, je vais l'acheter. J'ai acheté ou pas hein? Je crois que je l'ai acheté. Ouais mais ça marche qu'une seule fois j'imagine. Les créations Valnir, voir dans l'inventaire. J'imagine c'est un truc que tu claques quoi. Hein? What the fuck? Pourquoi c'est là? Là-bas. Ah! Ah! Passe des trucs. Ah! Comment on utilise les spells d'au-dessus? Ah, attendez. Eh oui, la magie. Mais bon, on monte pas la magie. Là. Et donc là, j'aimerais juste faire un truc. Ouah, c'est tellement beau! What the fuck? Cette cité à l'horizon, c'est Devesh. La plus grande cité des terres, de cette terre, le cœur du royaume. C'est là que se trouvait Narayana, le palais des mille portes. C'est là que se trouvait le roi. Malgré l'effondrement du monde, la barrière qui protège ses frontières est intacte et ne sera pas aisément franchissable. J'aime l'escalade. Trois temples cardinaux se dressent encore dans les terres anciennes.
Ils sont probablement toujours gardés par leur veilleur, ceux qui les protégeaient bien avant la déchirure. Ils ne sont pas réputés pour leur sens de l'humour. Eh, c'est pas trop stylé? On se croirait sur Odyssée. Ouais, tu perds de FPS quand tu fais des trucs, mais tranquille. Même pas en fait. Moi qui arrive. Ok, c'est grave stylé. Est-ce qu'il y a un truc? Ouais, voilà, on va juste aller faire ça. Hein. On va activer le puits. Et bien entendu, l'entrada del temple. Bonjour, qui es-tu? Steh. Très bien. Il n'est pas d'usage de donner son nom à quelqu'un qui t'est le sien, mais n'importe de manière désormais. Tu peux m'appeler Steh. As-tu déjà rencontré un des démiurges? Les créatures immenses qui sont arrivées après que la quatrième étoile s'est éteinte dans les fracas de la Terre qu'on est vendre. Malière me souffle qu'ils auraient déjà marché ici. Laisse-moi te donner un conseil. Fie-toi aux mélodies plutôt qu'aux mots. Ce qui parle à ton âme ne peut pas te tromper. Si seulement le monde pouvait faire silence pour écouter le chant des astres et les éclats de cristal. Crois-moi, ces contrées dolentes n'auraient plus le même visage. Ok. Bah écoutez, on va mettre fin à cette petite découverte de notre côté. Franchement, c'était super intéressant. J'espère que vous aurez apprécié. On verra la prochaine fois si jamais. Ça nous reste du one shot découverte. Et si jamais on a envie de se refaire dessus un de ces quatre, on passera dessus. Voilà. Donc, les amis, it's time. Je vais aller prendre... des poils partout. Je vais aller faire ma petite pause, les amis. Je vais aller tout simplement me préparer à manger, préparer ma petite soirée à base de petites peintures, petit repassage de verre sur le Spitfire, avec le fait aussi que je vais regarder quelques animes et voir si jamais ce soir je suis chaud ou quoi, je relancerai un live. Mais on a pas mal à parler, donc on va peut-être aussi en profiter de ce côté-là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un bon moment sur Adjust TV. C'est vraiment ce qui compte pour moi. Donc désolé, vraiment énormément de poils sur ce t-shirt, mais bon, tranquille. Je vous fais de gros bisous. Merci encore aux gens qui se sont abonnés, qui se sont resub, qui ont été subgift. Donc encore merci une fois aux subgifters de soutenir la communauté et d'être aussi généreux avec moi. Donc merci beaucoup de me faire avancer dans mon travail. J'espère que vous aurez pris du plaisir. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter ou YouTube hein, si vous venez de nous découvrir, les amis. Je compte sur vous. Les réseaux sociaux, c'est gratuit et ça apporte énormément de visibilité face à... Oui, j'arrive. Face à plein de choses. Donc ce n'est que gagnant-gagnant. Ok, donc rendez-vous demain à 14h pour le live maquette d'histoire. On retourne sur le cockpit du Spitfire et on continue notre aventure sur les maquettes. Je vous fais de gros bisous, merci beaucoup à tous d'avoir été là et je vous donne rendez-vous officiellement demain à 14h. Et si jamais, je vous fais signe sur Discord ou sur Twitter. Ciao les gars, merci beaucoup. Bye. Et les filles.